Hey, bonjour élèves musiciens. Je te propose aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo du samedi midi, When the Saints Go Marching un super morceau que je joue en deux versions sur mon harmonica bête de course en si bémol. Alors, les deux versions, c'est quoi La première version, on va dire que c'est country folk et la seconde version, c'est. Dixieland, donc une version euh, au tempo médium et une beaucoup plus rapide. Donc, euh, la première version, c'est Allegro et la seconde version, c'est Presto. Et si tu aimes ce morceau, je suis sûr que tu vas l'apprécier. Eh bien, euh, je t'indique à la fin de la vidéo comment tu vas pouvoir apprendre à le jouer et faire la même chose que moi et même proposer tes propres interprétations, tes propres improvisations autour du morceau. Allez, on écoute, on commence par la version euh, folk euh, country folk et ensuite la version d'excellent. Ok, tu as aimé ces deux versions. Alors bon, la première est peut-être un peu un plan-plan, peu on va dire. Bon, mais ça s'adresse aux grands débutants. C'est-à-dire que si tu es grand débutant en harmonica, que tu n'as jamais joué de musique, bon, la première version, ça va déjà être un défi pour toi qui va être assez intéressant. Et si tu as déjà un peu de bagage musical, si tu as déjà fait au moins trois mois d'harmonica, tu peux déjà jouer la seconde version. Donc, trois mois d'harmonica avec moi, c'est le module 3 de la formation complète, et ça suffit pour pouvoir jouer la seconde version. Alors, ça suffit, mais bon, il faut quand même de l'aide, parce que euh, si tu n'es qu'à tes débuts en harmonica, si tu n'es qu'à tes débuts en musique, bah, ça va être un peu difficile pour toi de tout jouer et euh, bah, d'interpréter le morceau, de tourner autour de la mélodie, d'improviser. Bon, mais rassure-toi, j'ai ce qu'il te faut. En fait, euh, chaque samedi midi, maintenant, je vais faire une... Euh, un cours en accompagnement de, de des démonstrations, comme les démonstrations que tu as pu entendre à l'instant. Alors, les accompagnements, c'est quoi Donc, tu as trois options possibles. Soit tu prends la tablature seule. Donc, la tablature seule, tu as juste là où il faut souffler ou aspirer, mais tu n'as pas l'indication des rythmes, tu n'as pas toutes les explications pour apprendre à jouer le morceau. Mais bon, tu as la tablature, si une excellente oreille et que tu n'as pas besoin de plus d'explications que ça, la tablature peut te suffire. La deuxième option, c'est le dossier pédago. Le dossier pédago, en fait, c'est dans le dossier tu as trouvé quoi Donc c'est en téléchargement. Tu vas trouver la partition avec la tablature. Donc là, tu auras non seulement la tablature, mais tu auras aussi la partition en clé de sol avec l'indication des rythmes, donc le placement des notes sur les bons temps, etc. C'est quand même beaucoup plus facile pour jouer le morceau si tu as aussi l'emplacement des notes et les rythmes. Donc tu as tout ça. Donc partition, tablature. Piste de démonstration, piste d'accompagnement pour pouvoir rejouer le morceau avec, je vais dire, la piste d'accompagnement, en fait, les deux pistes d'accompagnement, puisque tu vas pouvoir jouer le morceau sur les deux versions, donc euh, Country Folk et euh, Dixieland. Et, euh, et voilà, donc tu as donc partition, tablature, euh, piste d'accompagnement Country Folk, piste d'accompagnement Dixieland, démonstration Country Folk, démonstration euh, Dixieland. Ok, tu as tout ça dans le dossier pédago. Et si tu prends le cours complet, là, tu as carrément accès à un cours complet, comme le nom l'indique, en vidéo. Donc, tu as huit vidéos, donc ça fait plus de deux heures de vidéos, ce qui représente l'équivalent de six heures de cours particulier, euh, à un tarif qui est bien, moins qu bien moindre qu'un cours particulier. Hein. Tu vas vite te rendre compte quand tu vas cliquer euh, sur l'option cours complet. Tu vas voir, c'est euh, vraiment un prix fracassé. Et encore plus fracassé pour ce week-end, parce que si tu accèdes à l'une des trois options avant demain soir, donc dimanche, nous serons le 24 juin 2018, jusqu'à 23h59, donc entre ce midi et demain soir, dimanche soir, tu as un prix qui est encore plus sectionné, puisqu'il y a un tiers du prix que tu ne vas même pas payer. OK? Voilà. Alors, c'est quoi le cours complet Dans le cours complet, en fait, tu as euh, donc une vidéo de présentation pour que je t'explique les grandes étapes de ce qu'on va travailler ensemble et déjà des conseils pour que tu puisses profiter au mieux du cours. Et ensuite, c'est pratico-pratique, c'est-à-dire il n'y a pas de théorie histoire de faire un peu de théorie. Non, tout ça, c'est c'est dans la formation complète, encore que dans la formation complète, quand il y a la théorie, il y a l'application directe sur l'instrument. Et ben là, on ne fait qu'appliquer sur l'instrument. Et je te montre tout ce que je fais, tout ce que je travaille, tout ce que j'ai dans la tête, je le dis, comme ça, tu ne loupes rien. Tu me vois travailler le morceau devant toi, euh, tu me vois te donner des, des conseils au fur et à mesure, toutes les indications pour que tu puisses travailler le morceau et apprendre à le jouer pas à pas. Et je suis une méthode que j'ai créée, que j'appelle la méthode dérive. Donc la méthode dérive avec un « D » comme déchiffrage, puisque la première étape, c'est de déchiffrer ensemble la partition. Je t'explique, enfin, j'analyse toute la partition devant toi et toi, tu plus recopier sur la partition que tu auras téléchargée et imprimée. Et donc, tu vas suivre toutes les indications, comme ça, tu sauras exactement comment jouer la partition. Donc ça, c'est « D » comme déchiffrage. Après, tu as un « E »,« E numéro 1 » comme extraction, c'est-à-dire qu'on va repérer les, euh, les phrases difficiles du morceau et on va les extraire pour pouvoir les travailler séparément. Une fois qu'on aura fini la phase d'extraction, on passe à R, R comme réintégration. En fait, les phrases qui étaient anciennement difficiles, qui deviennent faciles, on va les réintégrer dans le morceau, les raccrocher aux autres phrases et on va retravailler tout ça ensemble. Donc, alors j'ai dit 2, D, E, R. Maintenant, I, I, c'est l'interprétation rythmique. Une fois que tu sais jouer la mélodie, que tu es capable de passer les bonnes notes sans problème, tu es capable de jouer le morceau. Maintenant, il faut le jouer bien rythmiquement et aussi l'interpréter rythmiquement. Je vais te montrer comment. On peut interpréter rythmiquement ce morceau pour que ça commence à swinguer. Okay donc D E R I V. On passe à la cinquième phase. V comme variation mélodique. Avant d'attaquer l'improvisation, on commence à varier la mélodie. Ça sert à quoi de varier la mélodie Eh bien, ça sert à proposer des versions un petit peu différentes. Si tu as bien écouté les démonstrations, bah ok, il y a le, la mélodie du thème When the Saints Go Marching mais souvent, je rajoute des petites notes quoi, pour varier un peu les pla le plaisir. Parce que si on entend toujours la même chose, à un moment donné, ça devient lassant. Donc, euh, du coup, euh, voilà, ça, c'est la phase 5, la phase de variation. Donc, je vais t'indiquer, même, si même si tu n'as jamais fait d'harmonie, même si tu es, en es vraiment au début niveau solfège, euh, je vais te tout indiquer. Il va, il va y avoir des schémas, il va y avoir des des croquis, etc., les noms des notes que, que tu peux utiliser sur tel passage. Enfin, tout est expliqué dans le détail avec pléthore de démonstrations. Tu vas voir, tu as, as vraiment un cours complet là-dessus. Donc, D-E-R-I-V-E -E numéro 2. Cette fois-ci, on va s'occuper de jouer des effets harmonica. Bah oui, puisqu'on joue de l'harmonica, on joue pas de… Enfin, jouer de la musique, C'est pas simplement jouer des notes, c'est aussi mettre les bons effets. Donc, je vais t'indiquer non pas un cours théorique avec tous les effets. Il n'y a pas de théorie dans ce cours complet. C'est que de la pratique. Je vais t'indiquer les meilleurs effets que tu peux jouer sur l'harmonica, sur ce morceau. Enfin, plutôt les meilleurs effets à l'harmonica sur ce morceau pour sublimer encore ton interprétation. D-E-R-I-V-E-S, septième et dernière étape, le solo. Donc, le solo, ça veut dire quoi Ça veut dire la partie d'improvisation. Donc. Euh j'ai pas beaucoup improvisé dans la partie Country Folk, par contre, j'ai beaucoup plus improvisé dans la partie Dixieland. Voilà. Il y a trois grilles d'improvisation, trois tours d'improvisation. OK? Eh bien, je vais t'apprendre à faire tout ça. Donc, le but, c'est pas que tu saches jouer exactement ce que j'ai joué pendant mon morceau, puisque d'un morceau à l'autre, je fais jamais exactement la même improvisation. C'est le but. Hein. Le but de l'improvisation, c'est de pouvoir créer des mélodies dans l'instant. Eh bien, tous les exercices que je vais te donner à faire, donc exercices très pratique avec à chaque fois la démonstration, les conseils pour réussir l'exercice. Donc, tu mets la vidéo sur pause et ensuite tu t'entraînes tu et tu relances la vidéo dès que tu as, as compris comment, comment faire. Je te donne des outils qui vont te permettre d'improviser. Donc, tous les exercices qu'on va voir dans cette septième phase, ça, 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 ça va être des exercices préparatoires qui vont te permettre ensuite de te lancer dans une improvisation. Okay donc, on va voir tout ça. Et, euh, et pas de panique, hein. même si le morceau est un peu rapide, euh, je cavale pas dès le départ. On commence vraiment très doucement, on commence à, à, 60, tu vois, à 60 battements par minute, donc c'est très lent, puis on monte progressivement les échelons jusqu'à arriver à, euh, bah, au morceau d'excellence à 160 si tu veux le jouer comme ça, ou à 120 si tu préfères la version country folk. Okay donc tu as tout ça dans le cours complet. Donc je résume, première option, juste la tablature toute seule deuxième option le dossier pédago et troisième option le cours complet en huit vidéos donc tu trouveras euh, bah, tu trouveras où il faut cliquer euh, sous la vidéo, hein, tu es assez grand <laughs> tout est bien indiqué ne t'en fais pas voilà donc euh, n'hésite pas à en profiter sur ce week-end si tu veux avoir le prix tronqué d'un tiers et sinon bien évidemment si tu découvres cette vidéo après le week-end bah, tu peux toujours y accéder et voilà, donc encore une fois, tu vas trouver ou cliquer en bas de la vidéo pour accéder à l'option que tu préfères. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter de prendre vraiment, vraiment du plaisir à jouer ce morceau, à apprendre à le jouer. Ensuite, bah, peut-être que tu vas le jouer à tes amis, à ta famille. Et ce qui me ferait très plaisir, c'est que tu me le joues aussi. J'anime des agoras qui sont réservés aux élèves de l'école d'harmonica. Euh, le premier et troisième mardi de chaque mois, bah, si tu prends euh, le, le morceau, tu auras le droit toi aussi de participer aux Agora. Et ce qui me ferait immensément plaisir, c'est que euh, tu me joues ta version euh, pendant, pendant la séance d'Agora. L'Agora, c'est euh, un espace euh, virtuel avec de, des vrais gens, avec des. <laughs> avec des personnes bien réelles où on échange ensemble et surtout je réponds à toutes les questions de mes élèves en direct pendant deux heures et ça c'est offert à tous les élèves, à tous ceux qui prennent des formations, que ce soit la formation complète ou euh, bah, le cours complet par exemple pour apprendre à jouer ce morceau. Ok, allez, bonne musique, euh, tout ça ça se passe en dessous, on se retrouve de l'autre côté euh, pour t'enseigner, euh, pour t'apprendre à jouer. When the sense go marching, bonne musique.